Tommy, le petit nouveau avec une équipe de type magique, alors je viens de l'apprendre, mais il ne faut pas réussir à l'assommer. Donc du coup, il vaut mieux prendre avalanche que coup de tête. Par contre, il faut quand même que trompette touche au moins deux fois. Aïe aïe, oh là il est beau. Il est beau ce garçon, il est beau. Et ben, c'était pas une sinécure, hein. Y a pas à dire. Il m'a bien ennuyé. Donc, y a pas vraiment d'astuce en fait. C'est-à-dire que je fais amplification de la magie, mais comprenez que ça sert à rien. Et il faut juste absolument. Alors, l'éclat lunaire ne sert à rien, on est de toute façon plus rapide que lui, mais il faut absolument que quand les élèves voleront, touche deux fois. C'est la seule condition de victoire. Il faut que quand les électrons touchent deux fois, on fait immolation ou immoler, ça fait à peu près les mêmes dégâts, c'est-à-dire que on n'en fait rien du tout, immoler fait plus de dégâts. Mais donc aïe aïe aïe, voilà. Donc donc on fait immolation, avalanche, quand les élèves voleront trois fois. Il faut, enfin, ou n'importe, mais il ne faut pas que Trompette se meure avant d'avoir fait quand les Vélestelègues auront touché au moins deux fois. Dans le scénario classique, sans subir de coups critiques ou quoi, il y a un changement, switch pour le tour 6. Si votre Trompette meurt tour 4, c'est pas grave. Vous faites amplification de la magie, vous faites passer ou amplification de la magie, enfin vous faites l'un ou l'autre, mais vous attendez le tour 7 absolument pour faire échange de vie. Quand il vous fait switch, vous faites exploser et vous finissez avec éruption de mana. Voilà.